Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un type de vidéo que je n'ai jamais fait sur la chaîne et qu'on voit pas si souvent ça sur BookTube, mais moi j'avais vu sur la chaîne de Patatras il y a de ça très 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 longtemps, puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour un unhaul. Un unhaul, si vous ne savez pas ce que c'est simple, c'est l'inverse du bookhaul en fait. Si je vous fais aujourd'hui cette vidéo, c'est aussi pour vous dire que j'ai ouvert récemment ma boutique Price Minister, poussé par les nombreuses ouvertures de boutiques de Patatras, etc. Je me suis dit que ce serait pas mal de le faire aussi. Et donc du coup, je me suis lancé récemment, il y a peut-être une semaine. J'en ai profité pour mettre tous les bouquins qui ne me plaisaient pas sur Price Minister. D'ailleurs, à partir de maintenant, vous pourrez retrouver dans la barre d'infos un lien parrainage. Donc le lien parrainage, c'est simple. Vous pouvez, en passant par ce lien, créer votre boutique, si vous ne l'avez pas encore créé, bien sûr. Et comme ça, quand vous créez votre boutique avec le lien de parrainage, eh bien, vous aurez 7 euros sur une commande que vous aurez choisi de faire dans la même boutique. Et moi aussi j'aurai 7 euros, donc ça fonctionne un peu comme France Loisirs, mais version Price Minister, et c'est 7 euros chacun. Je ne fais pas du tout cette vidéo pour vous inciter à aller sur ma boutique acheter ces livres, absolument pas. Je fais juste cette vidéo parce que, de un, parfois on me pose la question, est-ce que tu as encore tes livres? Et je vous dis non, je l'ai revendu, et c'est vrai qu'en fait vous pouvez peut-être pas suivre le mouvement qu'il y a dans les bibliothèques. Deuxième chose aussi, c'est parce que je sais bien que certains cherchent des livres en occasion et préfèrent les acheter en occasion. Et donc à ce moment-ci, pour signaler que voilà, effectivement, ces livres-là sont en occasion. Et donc, aussi, voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas vous le dire. Donc, voilà, c'est absolument pas si je vous impose vraiment pas d'acheter sur la boutique. Enfin, voilà, je vous impose rien. Donc, ne prenez pas cette vidéo en ce sens-là. Alors, bien sûr, je sais que en voyant les prix auxquels je les mets, mes livres, peut-être vous allez dire oui, c'est pas très cher, machin, machin. Sauf que je prends en compte qu'il y a des frais de port à payer pour les livres. Donc, comment vous dire que les frais de port sont assez élevés puisque je viens de Belgique. Je pense que quand on est sur Price, il y a, je pense, une diminution des frais de port quand on prend plusieurs livres. Après, je suis pas sûr. Donc, n'hésitez pas à me dire ceux qui sont sur Price, à me dire ça dans les commentaires. Mais je pense que quand on commande plusieurs livres dans les mêmes boutiques, le prix des frais de port diminue. En tout cas, moi du coup, j'ai essayé de mettre des prix assez démocratiques, on va dire, pour qu'avec les frais de port, ça fasse un prix quand même relativement correct. Et je vais vous montrer tous les livres que je compte revendre. Donc tous les livres que je vais vous présenter sont déjà sur ma boutique Price. Le premier, il s'agit de À la place du cœur de Arnaud Catherine, publié chez Robert Laffont, collection R. Ce livre est sur ma boutique parce que même si j'avais bien aimé, c'était pas un coup de cœur de ouf, etc. Et je pense que j'étais tellement déçu par le fait que ça parlait plus de la romance que de l'aspect attentat que je voulais plus forcément l'avoir dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai décidé de le revendre. Alors, il a été lu une fois. Je vais en profiter pour vous montrer l'état tant que j'y suis, même si on va pas grand-chose avec le soleil. Mais il a été lu une fois. Franchement, il est en plutôt très bon état. Il y a pas, le dos est pas cassé. Il y a pas de, la couverture n'est pas cornée. L'intérieur est nickel. Donc, il est vraiment en bon état. Donc, je pense que sur la boutique j'ai mis très bon état pour ne pas mettre comme neuf parce que j'aurais été tenté de mettre comme neuf, mais vu qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu plus à cheval, ce que je comprends, je me suis dit autant le mettre en très bon état. Ensuite, je vends aussi La Loi du Dôme de Sarah Crossan, publié chez Bayard. Celui-ci, je le vends parce que finalement, c'est un bouquin de ma palle qui ne me fait plus très envie. Il y est resté 1 ou 2 ans et au final, je me rends compte que. Il est toujours pas sorti depuis, donc ça montre qu'au final, je n'en ai peut-être plus envie. Celui-ci est. Enfin, il n'a pas été lu, donc il est plus ou moins impeccable, à part juste ici. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit peu plié légèrement. Je sais pas si ça se voit, et c'est un petit peu corné ici, mais sinon, c'est a priori tout ce qu'il y a sur la couverture. Le dos est impeccable aussi, donc. Voilà, si il vous tente, n'hésitez pas. Oui, alors j'ai oublié de le dire, mais je mettrai tous les prix en barre d'infos, plus les frais de port. Donc, si vous voulez savoir les prix, allez dans la barre d'infos. Un autre livre de ma palle que je ne compte pas lire, il s'agit de La voleuse de secrets de Brenda Drake, publié chez Lumen. Celui-ci n'a pas été lu, donc a priori, il est quand même en bon état. Juste voilà le petit coin ici qui est un petit peu abîmé. Mais sinon, l'intérieur n'a pas été lu, donc il est nickel. Et le dos n'est pas cassé. Donc voilà, je pense que a priori c'est un livre en plutôt très bon état, mais bon après à vous de voir. Celui-là par contre est nettement en moins bon état, je l'ai mis d'ailleurs je crois à 90 centimes parce que voilà il est vraiment en mauvais état. Il s'agit de Tara Duncan dans le piège de Magister de Sophie Audouin-Mamikonian. Alors j'ai appris par la bouquineuse, d'ailleurs merci Laura, que ce livre était le sixième.
Donc autant vous dire que je préfère le revendre. Voilà, je me l'achèterai ou je lirai en bibliothèque. C'est pas une saga que je compte vraiment lire au final. Donc bien sûr que c'est un livre que j'avais acheté en solde. Bien, il est un petit peu défoncé ici. Les coins sont un peu abîmés. Le dos n'est pas cassé, mais il est un peu sale. Et sur la couverture, il y a surtout une gommette. Et voilà, c'est un peu plié là. Donc je l'ai pas mis très cher. Je pense que je l'ai mis à 90 centimes. Mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état-là. Le prochain, je l'ai aussi acheté d'occasion, il s'agit de Titus Flaminius, le tome 1, La Fontaine aux Vestales de Jean-François Namias, publié chez Le Livre de Poche Jeunesse, collection historique. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai acheté dans une librairie d'occasion, donc il est en état un peu bof bof. Ici, il y a un peu des saletés sur la couverture. Là, le dos, c'est bof bof. Ici, enfin voilà, c'est un livre qui est en bon état, je dirais, mais qui est pas en super état non plus. Je l'ai pas mis très cher non plus, du coup, mais si il vous tente, bah n'hésitez pas. Un livre que cette fois-ci j'avais acheté neuf, hein, qu'on m'avait offert et que finalement je ne compte plus lire, donc je préfère m'en séparer. Enfin, non, celui-ci j'ai essayé de le lire, il s'agit de Il s'appelle Les Soldats Inconnus d'Arthur Taynor. Celui-ci j'ai essayé de le lire, j'ai lu les premières pages, mais le style ne me plaisait absolument pas et le début de l'histoire non plus, donc je me suis dit que bah voilà, il fallait que je m'en sépare. Celui-ci, du coup, il est comme neuf, enfin. Enfin, j'ai beau essayer de lui trouver des défauts, mais je pense pas qu'il en ait en tout cas. Donc pour moi, il serait mis apparemment comme neuf. Bon, je l'ai mis encore une fois en très bon état, puisque ben voilà, par souci de maniaquerie, on va dire, je l'ai mis par très bon état, mais il est pour moi comme neuf à part. Oui, peut-être là le petit haut qui est un petit peu abîmé, mais sinon je pense que ça va. Le livre suivant, il s'agit de Messenger de Loïs Leroy, publié chez Medium dans la collection L'École des Loisirs. Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion chez Gibert et finalement, je me suis rendu compte que je voulais pas lire la suite de la saga et que j'allais m'arrêter au passeur. Du coup, je ne l'ai pas lu. Alors, il est sale. Clairement, je pense que c'est son plus gros défaut, c'est qu'il est sale. Alors, vous voyez pas bien si vous voyez ici, mais il est un peu sale. L'intérieur, pour moi, est nickel. Mais sinon, c'est vrai qu'il est fort sale, donc j'ai pas dû le mettre très cher non plus. Mais pareil, si vous tentez. Ensuite, le prochain, il s'agit du Hobbit de Tolkien, publié chez Le Livre de Poche. Alors, celui-ci, je le revends parce que j'ai trouvé une édition en brocante que j'adore, que je trouve bien plus belle que celle-ci. Je n'ai pas lu, après, il est un petit peu souffert parce qu'il a passé quelques années dans la bibliothèque. Ici, c'est un petit peu. Voilà, un petit peu plié. Là, pareil, la couverture est pliée aussi. L'intérieur, par contre, est nickel. Mais voilà, il y a quelques pliures et quelques cornures. Bon, je sais pas comment ça se dit, mais sur la couverture, je l'ai pas mis très cher non plus. Donc, si jamais il vous intéresse ou pour combler des frais de port, je sais pas. Enfin, bref, il est là. Alors, celui-ci, je l'ai mis parce que c'était un livre de cours que j'avais apprécié, mais sans plus. Donc, il s'agit des Larmes de l'assassin de Marie-Laure Baudoux, publié chez Bayard. Donc, celui-ci, il a été lu une fois. La couverture, un petit peu. Bon, ici, elle est un petit peu. Ça va pas se voir, mais un petit peu plié. Alors, derrière, il y a, on aurait dit des saletés, mais je sais pas si c'est des saletés ou si c'est dans la couverture. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, il y a quelques petites saletés ici. L'intérieur, lui, est nickel, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais voilà, la couverture est peut-être un petit peu cornée. Et le dernier de cette première salve de livres qui a atterri sur ma boutique, il s'agit de L'attrape-rêve de Xavier Laurent Petit, publié chez Medium dans la collection. Enfin, dans la maison d'édition de l'École des Loisirs. Celui-ci, bah, je l'avais carrément détesté. C'est une lecture de cours que j'avais vraiment détesté. Donc, du coup, bah, je le revends. Lui, il a la couverture un peu pliée, pareil, voilà, sur le bord. Et peut-être un peu là aussi. Il y a une trace ici, je sais pas si vous allez voir. Il est un petit peu sale derrière aussi. Voilà. Mais sinon, comme d'hab, l'intérieur est nickel. Donc, si jamais il vous tente. Voilà, donc ça c'est la première salve de livres qui a été mise sur ma boutique Price Minister. Bon, après je pense que je vous ferai pas des unhauls à chaque fois que j'en remettrai puisque je compte pas en remettre souvent. J'ai oublié de le dire, mais en fait je sais pas, il faudrait aussi si quelqu'un sait, comme ça il peut me le mettre en commentaire. Est-ce que quand un Belge envoie un Belge, c'est moins cher? J'aurais tendance à dire oui, mais je ne suis pas sûr. Donc si jamais, n'hésitez pas à me dire. Et bah, s'il y a des Belges qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à voir du coup dans les commentaires parce que à vous, alors du coup les frais de port pourraient venir moins cher. Je sais pas, peut-être. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.